Salut à tous, c'est Jastora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2 toujours. Comme vous avez pu le constater, ce n'est pas moi qui joue, c'est un gameplay sur PS3 de Tonio25, donc je pense quand même que la plupart d'entre vous le connaissent, vu qu'il va quand même atteindre enfin il a quand même un certain nombre d'abonnés. Et donc déjà, bon, vous vous en doutez quand même que le gameplay je lui ai pas piqué. Il m'a donné son l'autorisation, enfin d'ailleurs c'est lui qui m'a donné ce gameplay. Il m'a également donné l'autorisation de l'upload, de l'upload et de le proposer à code QG, donc c'est ce que je vais faire. Je vais le proposer à code QG et à code CF, que je remercie grandement s'il m'upload. Et vous en doutez également, ce gameplay n'a jamais été proposé sur sa chaîne, c'est pour ça qu'il me l'a donné tout simplement. Donc voilà. Donc dans ce commentaire, je vais aborder plusieurs sujets. En fait, ça va être plusieurs questions, étant donné que c'est pour ça que je compte proposer ces chaînes à code QG et à code CF. C'est tout simplement parce que comme ils ont une bien plus grosse communauté que moi, moi j'en ai actuellement un peu plus de 700. Et étant donné qu'ils ne sont pas tous actifs, hein, la grande majorité n'est pas active. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est YouTube, ça bug un peu, et puis même, bah les gens, comme ils sont abonnés, par exemple moi, je suis abonné à plus de 150 chaînes. D'ailleurs, je sais pas à combien de chaînes vous êtes abonné, vous, dites-le dans les commentaires. Mais, bah du coup, bah évidemment, je passe pas ma vie sur YouTube quand même, donc je peux pas toutes les voir, mais il y a des YouTubeurs, par exemple, que à chaque fois, je regarde leurs vidéos, quand je la vois, je me dis, ah bah celle-là, je vais la regarder. Bah, par exemple, bah, mes amis sur YouTube, IRL, bien sûr. Je me dis, bah, forcément, je vais les regarder, étant donné que je les connais en vrai. Enfin, je leur donnerai mon avis au collège, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de collège, pour ma part, c'est jeudi et vendredi qui arrivent, enfin, demain et après-demain, que je vais passer le brevet. Tout le monde vous en a parlé, donc je vais pas m'attarder sur les examens, même si je commence à en stresser un peu, et ce commentaire, je le fais un peu pour me décompresser également, pour déstresser. Et voilà, donc j'espère que en rentrant des épreuves du brevet, je serai récompensé par une upload sur code QG. Enfin bref, donc... Ah d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, bon, c'est de la Domi en guerre terrestre sur Yémen, vous l'avez vu, mais il joue donc avec la M94 Cross, chargeur rapide, avec détermination, gilet pare-balles, pillard et dextérité, il avait un C4, une paralysante, un drone d'escorte, des chiens et le groupe de chasse, et putain, je l'avais pas dit ça non plus. Ça va être une tentative plus de 180 kills. Alors 180 kills, plus, enfin ça va être beaucoup de tentatives d'ailleurs, ça va être aussi une tentative nucléaire, et une tentative plus de 100 kills en une manche de domination, ce qui est quand même un sacré exploit. Tonio qui est vraiment un gros joueur, enfin qui a vraiment un gros niveau en ligne. Après je sais pas ce qu'il pourrait donner en compétition, mais en tout cas en ligne c'est sûr qu'il arrive à sortir de gros gameplay, c'est pour ça que bah, je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Je le remercie encore pour m'avoir filé ce gameplay, c'est vraiment super sympa de sa part. Donc voilà, donc je vais quand même aborder, enfin commencer le sujet des commentaires. Oulala, l'inverse, les sujets du commentaire. Et donc je vais commencer par, est-ce que vous changez de jeu vous? Donc je pense que la plupart des abonnés de code QG jouent en ce moment à Black Ops 2. Même si en ce moment, bah forcément, comme le jeu ça fait assez longtemps qu'il est sorti, il y a du ras-le-bol général, et donc vous commencez à retourner, enfin quelques-uns, pas tous forcément, vous commencez à retourner sur des anciens Call of Duty tels que MW3, MW2, Code 4 et tout. Enfin voilà, bref, donc est-ce que vous retournez sur d'anciens jeux? Ou même, enfin, est-ce que vous achetez des nouveaux jeux, enfin, voilà. Mais pas forcément du code, enfin, vous pouvez bien sûr, des fois, retourner sur MW2 et tout, mais c'est pas vraiment ça dont je veux parler. Est-ce que vous allez, par exemple, sur des jeux, je sais pas, d'action, des MMORPG, des RPG, bah, par exemple, je sais pas, Skyrim, FIFA, Need for Speed, des jeux de voiture, des jeux de foot et tout. Est-ce que vous changez de l'univers du FPS? Ou est-ce que vous restez tout le temps sur code, 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 code? Voilà, vous êtes concentré sur un seul jeu.
Personnellement, moi je reste très souvent sur Black Ops 2, je pense que je rate quelque chose quand même, parce qu'il n'y a pas que code dans la vie. Mais étant donné que j'ai une chaîne de Black Ops 2, et ben voilà, bah, je suis obligé de me consacrer à ma chaîne quand même, parce que je la prends quand même, même si bah si, je pense quand même être récompensé, mais et ben bah voilà, tout simplement, j'essaie de me consacrer à ma chaîne pour qu'elle prospère, dirons-nous. Et pour l'instant, moi, je suis plutôt satisfait. Enfin, c'est pas le sujet du commentaire, donc je vais aborder. Enfin, je vous demande donc dans les commentaires si vous jouez à d'autres jeux que COD, tout simplement. Ensuite, je voulais parler d'un truc un peu plus old school. Donc, je voulais savoir si vous, quelle était votre première console? Bah, votre première console, ça dépend de votre âge. Par exemple, si vous avez plus dans les 20 ans, par exemple, enfin, plus dans cet âge-là, ça pourrait être, je sais pas, une Nintendo 64, par exemple. Ou alors, bah, si vous avez genre mon âge, c'est-à-dire 15 ans, bah, moi perso, ma première console, attendez, je m'en souviens plus très bien, mais je crois que c'était la GameCube. Et mon premier jeu, ça devait être Star Fox. Je sais pas si vous connaissez. Un jeu super bien auquel j'ai passé vraiment de grands moments. Franchement, les jeux à l'époque, enfin, je vais pas faire Monsieur Nostalgie, mais bah voilà, on a quand même passé des bons moments sur des anciens jeux, même si c'était pas la qualité au top et tout. Voilà, à l'époque, on s'en foutait un peu, tout simplement. Donc, je voudrais savoir quelle était votre première console à vous et votre premier jeu également. Donc moi je vous l'ai dit, mon premier jeu c'était Star Fox. Et votre premier code, ça donc ça devient un peu plus sérieux. Donc moi mon premier code c'était Modern Warfare 2 bah, sur Xbox donc que j'ai eu en décembre 2009, à Noël 2009 je crois, si je ne m'abuse. Donc là quand même je vais revenir au gameplay vite fait. Vous avez vu que Tonio avait fait 74 kills à la première manche, ce qui est bah, acceptable bien sûr. Mais sachant qu'il tentait le plus de 200, et ben bah c'était pas beaucoup pour une première manche. Normalement pour tenter un plus de 200, faut au minimum faire bah un 100 kills pour faire la moitié. Mais voilà, d'ailleurs là il débloque sa médaille implacable. Il a 21 kills et le mec arrive à le rusher, donc il meurt première nuke fail d'ailleurs avec la petite médaille carnage débloquée. D'ailleurs c'est pour ça aussi que ce gameplay est assez beau parce que il va enchaîner pas mal d'ennemis, surtout vers la fin du gameplay ça va être assez dynamique. Il va y avoir du spawn kill forcément, mais justement ce que j'ai bien aimé dans ce gameplay, c'est que même s'il y a pas mal de gens qui se plaignent du C4, et ben il a pas vraiment fait beaucoup de kills au C4, et c'est ça qui est pas mal également. Donc il a fait pas mal de kills à l'arme, même si bon forcément ben, une tentative plus de 180 kills, faut forcément faire un gros massacre avec ses score streaks. Enfin bref, donc je vais continuer. Et je voulais également savoir votre jeu préféré. Donc je vous l'ai dit, bah, ça va être un sujet, ça va être un commentaire avec beaucoup de questions, beaucoup de sujets, ça va être une petite mosaïque, dirons-nous. Et bah, j'espère que ça vous plaira et que ça plaira aussi à Code QG, parce que je sais pas trop s'ils vont plutôt prendre ça pour un commentaire amateur, avec un mec qui s'éparpille partout. Ou alors si c'est plutôt un truc original avec bah, plusieurs avec de la var avec de la variété. Oula, ça fait c'est un style de musique ça. Avec bah, de la diversité tout simplement. Donc je vais continuer quand même et je voudrais aussi savoir un sujet un peu plus dans l'esprit Call of Duty. Quelle arme voudriez-vous voir sur le prochain Call of Duty Ghost? Personnellement, je pense que la plupart des gens voudraient voir l'intervention d'MW2 revenir en une version un peu améliorée, à la manière de l'AK-47 en N94. Personnellement, je pense que, enfin, je préfère la N94 à l'AK-47, puisque pour moi, c'est vraiment la version améliorée. D'ailleurs, encore la médaille implacable, hein. Et donc, pour moi, je pense que la plupart des joueurs, et moi également, moi également, j'aimerais bien voir l'intervention en version remasterisée revenir, même si au contraire il y a d'autres gens, et c'est j'en fais également partie, je voudrais qu'il y ait beaucoup de nouvelles armes. C'est-à-dire donc plein d'armes nouvelles, pas des versions par exemple je sais pas TAR 21, MTAR, je voudrais pas voir genre la Bétard par exemple, non je dis n'importe quoi, mais enfin
une version qui ressemblerait à une arme qu'on a déjà eue. Bon, et forcément, il s'inspire quand même des armes qui existent réellement, mais j'aimerais bien voir. Par exemple, ce serait marrant, bon, c'est impossible que ça arrive, je pense. D'ailleurs, il meurt à 24 kills d'affilée, là, donc deuxième nuke fail, et il reste que 40 secondes de gameplay. Et donc, par exemple, ce serait marrant de voir le pistolet laser en zombie, oula, en multijoueur. Mais je pense que quand même c'est impossible, sachant que c'est pas un truc qui a l'air très futuriste. C'est plutôt, ça aurait été plutôt à Black Ops 2 de faire ça. Mais du coup, bah ils l'ont pas fait tout simplement. Ils ont préféré, c'était assez sérieux. Donc là, il reste 15 secondes de gameplay. Et la partie va s'achever sur un très très gros score, donc un gros GG à Tonio. Puisqu'il va s'achever sur un 183 kills à 7 morts. Donc ça fait à peu près, je crois, 26 de ratio de tête. Oui, je suis en PGMD maths. Et donc 183 kills. Donc le plus de 180 kills est réussi avec Steel quand même. Et donc voilà, donc pas beaucoup de morts non plus. Et le gameplay est assez dynamique, assez nerveux. Donc je pense que ça pourrait passer sur Code QG tout simplement. Donc bah voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à regarder la chaîne de Tonio et ma chaîne, donc Just Sora Gaming. Et puis voilà, bah vous trouverez d'autres gameplays un peu moins bons que celui-là, forcément, je suis pas aussi fort que lui. Mais un petit commentaire sympa, enfin ça dépend. Et bah voilà, j'espère que vous passerez faire un tour sur ma chaîne. Et merci à Code QG et à Code CF. C'était Just Sora.